Et direction le Nigeria où l'économie est frappée par la baisse des prix du pétrole. De nombreux Nigériens ressentent déjà les effets de cette baisse et ne peuvent plus s'offrir les objets de luxe comme avant. Les Nigériens ont une forte attirance pour les voitures de luxe. Les rues de la capitale en sont pleines, de différentes formes et tailles. Toutefois, certains propriétaires de ces voitures, comme Alex Oji, commencent à les remplacer. Il a eu cette voiture pendant près de 2 ans et il la revend pour presque la moitié de son prix d'origine. Son choix s'est porté sur une voiture moins onéreuse qui sera plus facile à entretenir. J'adore les voitures de luxe, mais l'économie n'est pas stable et pas adaptée pour entretenir une voiture si chère. Ce n'est plus raisonnable. C'est pourquoi je suis venu ici pour la vendre, pour avoir une voiture plus petite et plus pratique. Nombreux comme Alex font face à des défis similaires. Ils abandonnent leur voiture de luxe en la vendant ou en l'échangeant. Beaucoup ont bénéficié du boom du pétrole, assez pour dépenser des millions dans une voiture luxueuse. Mais dernièrement, le manque de liquidité dans le pays s'est fait ressentir et les prix du pétrole, qui est vital pour l'économie du pays, sont tombés à 32 dollars le baril. Et les acheteurs traditionnels recherchent des alternatives aux revendeurs de brut. La situation n'est pas meilleure pour les concessionnaires qui ont beaucoup de stocks. Nous avons ce problème dans le système où les gens rapportent leur voiture d'une valeur de 8 millions de naira. Que se passe-t-il avec l'économie maintenant? Les gens ramènent leur voiture pour les vendre. C'est juste parce qu'il n'y a plus d'argent en circulation. Et les ventes sont au plus bas. Le taux de vente est très bas. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Par exemple, j'ai cette voiture que je vends pour 14 millions et 14 millions de naira, ce n'est pas une petite somme. Nous manquons vraiment de clients à présent. La baisse dans le patronage a rendu les opérateurs inquiets. Même s'ils ne savent pas quand la situation va changer, ils espèrent que ce sera pour bientôt et que les affaires reprendront très vite.